L'aquarium, j'ai acheté sur Facebook. Quelqu'un a mis en vente. Ça, c'est 109, 110 litres. Et je l'ai acheté à 29 dollars, 30 dollars, je crois. Et avec mes accessoires, donc une pompe et tout le reste. Donc, je ne vais pas vous énumérer tout ça. Alors, j'avais besoin de faire une structure, donc comme des étagères. Et l'idée m'est venue d'opter pour les PVC. Les connexions sont très faciles, mais la structure est aussi rigide et bien solide pour supporter le poids de ceci. Alors, ceci, c'est quoi? C'est un bac que j'ai acheté, aussi, 7 dollars, je crois, le bac, et les billes d'argile. Donc, j'ai acheté, attendez, je vais vous montrer tout ceci. C'est à 20 dollars, j'avais acheté ça. Alors, j'utilise ça comme substrat et je peux planter. Alors, parlant de la structure, je n'ai pas voulu ôter la beauté de l'aquarium, ou plutôt faire obstruction à l'aquarium. Donc, il faut que l'on voit l'aquarium. Donc, je garde ce côté esthétique-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu que ça soit très simple comme structure, mais aussi rigide. Ça l'est. Alors, pour renforcer la rigidité et la solidité, j'ai mis ceci. C'est en bois. J'ai attaché au plastique pour que ça ne se plie pas, parce que la tendance est que ça se plie au milieu, parce que la structure est assez longue. Alors, c'est ce que j'ai fait avec des vis. Donc, c'est facile aussi à démonter. Les PVC, l'avantage, c'est les connexions, vous les faites à la main. Vous pouvez les démonter aussi facilement que vous les avez montées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ceci. Si vous pouvez deviner, c'est pour la lumière. Je vais attacher des lumières ici parce que les plantes ne peuvent pas grandir sans lumière. Alors, ça va servir de support. Mais déjà, j'ai planté, comme vous le voyez. Et ces plantes ont la possibilité ou la capacité d'évoluer dans des endroits où la lumière est très faible. D'ailleurs, je vais vous dire que ça fait pratiquement plus d'un an que j'ai ces morceaux de bambou là. Hein, et je dis bambou là? Non. Bambou là. Ok. Donc, j'ai ces bambous là depuis plus d'un an. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai utilisé les PVC. Donc, les connexions avec les PVC, c'est mieux qu'avec ce que j'ai tenté avant. Mais vous pouvez toutefois essayer. Ça, c'est moins efficace parce que le débit de ma pompe était supérieur au débit de ces voies de sortie là. Alors, j'ai opté pour le PVC, ça fonctionne à merveille. J'ai mis en place, et ça c'est bok choy. Donc, j'ai mangé ça il y a quelques jours, mais déjà, vous pouvez voir que les feuilles sont en train de se refaire, une beauté. Donc, j'ai installé ça, vous voyez, ça c'est l'eau. L'eau est jusque là. Le reste n'est pas dans l'eau, mais garde l'humidité, et c'est ça, c'est bien pour les plantes. Et je ne vais pas vous parler des billes d'argile. Vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur Google et vous tapez, vous aurez plus d'informations de la part d'un spécialiste. Donc moi, je vous dis ce que j'ai fait et si ça fonctionne, je vous dis que ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, je vous dirai que ça ne fonctionne pas. Mais jusque-là, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour les poissons. Je n'ai pas encore mis les poissons dans l'aquarium. Je suis encore au niveau de setup. Setup. Vous voyez, même l'eau n'est pas aussi claire que elle devait être. Mais je sais que tout ceci va s'arranger de soi. Alors, j'ai mis ceci. Attendez. Vous pouvez lire. Ça aide à diminuer le chlore et qu'on sort. Parce que l'eau que j'utilise, c'est l'eau de robinet. Donc, l'eau, on a voulu que ça soit bon pour les hommes, mais peut-être pas bonne pour les poissons. Alors, ceci est en fait un conditionneur d'eau.
Ça prépare le terrain. Et là, je suis quasiment prêt à accueillir les poissons. Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'était pour juste vous montrer comment je fais mon setup, ma préparation avant de lancer mes poissons dedans. Alors, le principe, c'est que les digestions, ok, digestion, ça fait trop savant. Le caca des poissons, c'est un grand nutriment pour les plantes. Et les plantes vont prendre ces nutriments-là ça va les utiliser pour grandir, mais en même temps, ça clean, ça nettoie l'eau. Et ça, j'ai fait de sorte que ça renvoie l'eau. L'eau est là, ça rentre là-bas. Donc l'eau qui rentre là-bas est un peu plus propre que celle qui monte vers le bac. Donc c'est ça le principe. J'ai mis une éponge pour éviter que des petites comment dit, particules indésirables rentrent dans l'aquarium. Sinon, ouais, vous pouvez planter beaucoup de choses. Donc quand je vais mettre la lumière ici et les poissons, je ferai une nouvelle vidéo. Mais déjà, je veux vous montrer ce qu'on vend dans... Ah! Voilà, je retrouve ça. Vous voyez? Fish fertilizer. Ok. Ça, on nous vend ça très cher. Ça, j'avais acheté ça 60... Non. 16 dollars. J'ai acheté ça à 16 dollars. Pourtant, c'est le système. Donc, c'est pratiquement le système. C'est vrai qu'ils disent que c'est complètement naturel, mais bon, je sais pas. Mais c'est en fait ça, l'idée. Donc, les digestions sont renvoyées directement là-bas au lieu que ça passe par l'usine. Et puis là, je peux faire mon petit potager dans la. Donc, voilà l'idée. Donc, c'est ça. C'est au lieu d'aller acheter ceci dans les magasins pour les plantes, je fais un système que ça se retrouve, ça monte là, au moyen d'une pompe, hein, une petite pompe. Et la pompe, j'ai voulu que ce soit une petite pompe qui travaille avec USB. Donc, avec USB, pour éviter à d'électrocuter en cas de problème. Donc, je ne vais pas travailler avec le 120 volts, je travaille avec le 5 volts. Comme ça, tout le monde est safe, tout le monde est du bon côté et tout le monde est gagnant. Et la sécurité est garantie. Ça, la structure est assez rigide pour les enfants. Donc les enfants peuvent jouer ici, y toucher de temps en temps, mais bon, pas quand même ébranler la structure. Et les enfants savent déjà que papa n'aime pas ça. Donc, c'est ça l'idée. Je lance l'aquaponie. Je ferai une nouvelle vidéo quand je mettrai les poissons. Je regarderai leur comportement. Et au fur et à mesure, je ferai des vidéos et vous serez au courant de comment ça marche. Merci, vous avez des idées de quoi, de quelle sorte de poissons convient pour ce système, quelle sorte de plantes convient aussi pour ce système. Vous me faites savoir, mais les gens disent que n'importe quoi peut grandir dans un système aquaponique. Donc, c'est un débat pour nous les débutants. Bon, en fait, on va voir, hein. Donc, je vais essayer de faire des trucs et au fur et à mesure, discutons. Bye bye. Vous la connaissez, mais c'est vrai que nous on la découvre. Elle est, en plus, elle est dans son habit de fourrure là. Elle est bien protégée. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette guitare? Elle représente un peu mes 15 ans, ma première guitare. Ah ouais? Voilà, d'un départ mon prof de guitare. J'en avais pas. Je voulais prendre mon prof de guitare. À chaque fois que j'arrivais, il sortait de sous son lit une guitare, c'était celle-là. Donc je jouais avec lui. Et un jour, je prends 2-3 pas. Il m'a tenu de guitare et je suis. Voilà. Comment s'appelait-il? Roger.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a offert sa guitare sur... C'est magique, c'est... À 15 ans, vous imaginez le premier instrument de musique, quand on aime. Qu'est-ce que vous avez joué? Alors, le premier morceau, c'est...